Salut les fans, je suis Franco. Vous êtes 95% de mes abonnés, de mes fans, à être contre ma décision. Par respect pour vous, parce que c'est vous qui faites de moi ce que je suis et c'est vous qui allez me hisser plus haut. Je vais donc diffuser la vidéo parce que vous avez dénoncé, vous avez dit que j'ai dénoncé d'autres personnes et que celle-ci je veux couvrir. Je ne veux pas la couvrir. Si j'ai pris cette décision, c'était par respect pour sa maman qui se trouve dans un état critique selon ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Alors, je vais donc dénoncer puisque tout ce qui est mauvais, on doit mettre sur la toile. Et si je mets ça sur la toile, c'est pour vous prouver que on ne me corrompt pas, on ne m'a pas corrompu et que je n'appartiens à aucun parti politique. Bonne dégustation. Et ça va péter. Ouah, pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle sera vraiment secret. Compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafa Jonas. Bonjour, président Tchafa, c'est comment? Vraiment, chaque jour, quand on dort, il y a un nouveau dossier qui arrive. Il y a même eu qu'un nouveau dossier comme ça, papa. J'étais au village. Un peu tardé, voici les images. Vous avez déjà vu si beaucoup dans votre vie? Po. Hé, je n'ai rien vu, mais ma soeur, tu parles de quel couple? Attention, Ngana Mouet. Mon frère. Ouah, laissez-nous même suivre le reportage, non? Abid, s'il te plaît, là, va. Un peu tardé. Va. Attention, Ngana Mouet. Ngana Mouet, Ngana Mouet. Elle embrasse. Elle souce la bouse. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Équilibre. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Ngala Mouet. C'est quoi? C'est plus qu'une humiliation. C'est une abomination qui tend vers la confusion. Un véritable séisme sexuel qui s'est abattu sur la jeunesse camerounaise vendredi dernier, mettant aux prises deux demoiselles, dont l'une d'elles s'appelle Gaëlle, qui se mélangent les mamelles, habitées par un esprit de Jézabel. C'est souillant, hein? Vous parlez même de quel Nganemouet même? Parce que le dossier, c'est mal et compliqué. Le dossier où c'est Nganemouet, où c'est quoi la fille footballeuse là? Dieu, prends-moi. Bon, le père, pardon, reviens t'asseoir. Donc vous parlez de celle qui joue au foot là, hein? Oui. Ouh là là, c'est très grave. Vraiment, j'ai été sidéré. Mon frère avait raison. Montre-moi encore un peu son visage et la voix. Et sa copine. Non, je n'arrive pas toujours à croire. Ceux qui veulent croire, papa, maman, petite soeur, grande soeur, croyez. Montre-moi l'image avec le maillot des lions indomptables pour que je confirme vraiment que c'est une lionne. Pardon, coupé comme ça. La fesse est vraie. Jusqu'à quand, Seigneur? Dans l'affaire, là, est vrai. Aïe! Gaël! Hé, hey, Gaël! Hé! Hey. Vous aimez voir avec les yeux? Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Papa! Tu n'avais pas bien conseillé ta fille. Bonjour les enfants, c'est papa. Bonjour le père. Bref, je voulais d'abord vous rappeler que la date limite pour la formation en ligne, en montage vidéo, c'est le 15 de ce mois. Donc les retardataires là. Et il y a un groupe WhatsApp que j'ai créé pour ceux qui sont inscrits. Donc ensemble, on va décider les heures. Parce que c'est 2 jours et c'est 4 heures par jour. On va décider les heures ensemble pour que ça ne pénalise personne. Ok. Le père, on t'écoute. Tu dis qu'est-ce qui s'est passé avec ta fille? Bienvenue à la clinique les enfants. Merci papa. S'il te plaît, parle un peu vite. Engel, Khalifa. T'avais réussi à faire mettre votre kiki sur internet. Quoi? T'avais réussi à faire mettre votre kiki sur internet. Vraiment, c'est malheureux. C'est la magie. Ce n'est pas possible. Attendez un peu, papa. Tu dis qu'elles ont fait quoi? T'avais réussi à faire mettre votre kiki sur internet. On peut faire ça? Non. Ça, c'est pas normal. Dans chaque sacrifice, dans chaque cérémonie, il y a un sacrifice. Le père, je n'ai pas compris l'autre lettre. Dans chaque sacrifice, dans chaque cérémonie, il y a un sacrifice. Papa, ça c'est le français du zénith. C'est mieux qu'on écoute un peu l'oncle. Martin Camus Mime peut vous dire. Jésus! Hé, oncle, ça a quel rapport? Il ne savait pas qu'il allait se retrouver un jour à Newbel, mais la pression populaire. Ouais, laisse d'abord l'ancien dossier. Parlons du nouveau dossier Jojo. Nous ne devons pas laisser cette affaire. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je donne la parole. Gaël Ngana Mouet doit retrouver Martin Camus Mime en prison. Pourquoi? C'est-à-dire, la fille là doit aller droit en prison parce que l'homosexualité est interdite au Cameroun. Vous me rendez dingue.
Nous n'allons pas tolérer le deux poids, deux mesures. Pourquoi tu dis ça? Je vous invite à faire un maximum de tapage sur cette histoire. Ah bon, hein? Oh oui! Pourquoi? Parce que j'ai observé, je vois comme si les gens veulent étouffer l'affaire. Non. Ça là, c'est jalousie. Oh, pays. Je suis père. Oncle, tu te bases sur quoi pour dire les choses pareilles? Nous avons les preuves en main. Et il y a des vidéos, des photos qui sont sans équivoque. Ah bon, hein? Pourquoi? Parce que nous le savions depuis, mais comme on n'avait pas un élément pour prouver. La fille n'a pas fréquenté. Pourquoi? Elle ne sait pas que l'homosexualité est interdite au Cameroun. Point d'interrogation. Comment tu peux être aussi bête? Tout ça, c'est le manga. Hey! Ok, un autre exemple palpable. Je vais vous faire la petite histoire avec l'affaire de Shakiro. Vas-y, non, t'écoute. Je vais vous rappeler que cet enfant a passé des mois et des mois en prison pour suspicion d'homosexualité. Maman! Oh, la prison! Oh, la prison! La prison! Mais Loïta Zamou, j'ai souffert. J'ai souffert le martyr en prison, j'ai souffert. J'ai souffert en prison. Je suis dépassé. Mon frère, donne-moi ton point de vue. Ne mourons pas bêtes. Grand, on dit qu'il y avait eu quoi? J'étais au village. Ne mourons pas idiots. Je vois la sorcellerie ici dehors. S'il te plaît, viens parler à l'écran. La seule personne qui est affectée, c'est la fille. C'est vrai. Nganami doit être traduit en justice. Tu es toujours en train de faire le constat. Ta bouche qui parle trop. Waouh, Fingon, laissez continuer même. Continue. On va prendre les choses telles quelles. On t'écoute. Pourquoi les vidéos de Nganami ne sont pas dehors? Point d'interrogation. Maman, réponds un peu à cette question. Maman, laisse d'abord la comédie. Parle seulement. Voilà. J'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Waouh, Aïcha, dis-moi ce qui s'est réellement passé, non? J'ai dit que j'étais au village. Je suis moi tranquille. Sur Facebook, je me pavane. Je vois qu'il y a les dossiers qui sont sortis. Je connais déjà un peu le dossier. Je veux juste savoir si tu as vu quelque chose dans ce nouveau dossier. Je vois d'abord quelqu'un qui a un condom en plastique. Quoi? Je vois d'abord quelqu'un qui a l'onkondong en plastique. La malédiction. Ah. Hé, hey, la mère, l'onkondong en plastique, c'est quoi? Je suis déjà vieille pour répondre aux questions comme ça. Gars, pardon, explique-nous alors. Et pas encore l'âge de parler des femmes. Ah, bah, là, on vous connaît. On vous connaît. Ouah, qui va nous expliquer? La mère, explique-nous alors. Mais maintenant, Mon frère, aide-nous, pardon. Pourquoi? Tu bégayes pourquoi? Tu ne connais plus parler. Arrêtez vos histoires là. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse. Bon, si vous bégayez tous, on arrête donc comme ça. Inscrivez-vous rapidement pour la formation en ligne qui va se débuter le 23 et le 24 novembre. Ouais, ça c'est très bien. Inscrivez-vous au mars. Félicitations déjà à ceux qui sont déjà inscrits. À bientôt, date limite de 15 novembre. Les gars, ne ratez pas l'occasion. Ok, bye bye. Mal. Pour ceux qui sont des jaloux, continuez à nous jaloux. Continuez à nous faire du jaloux. Et les jaloux vont maigrir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.